Salut, c'est Loïc de Fit Martial Art, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs sportifs avec les élastiques. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer un exercice qui va te permettre d'améliorer la stabilité de ta jambe d'appui, qui va également te permettre de développer ton équilibre. C'est un extrait de séance, donc si tu es prêt, allez, c'est parti. Surtout au niveau du style de compétition actuel, on est souvent en train de faire du multitemps sur une seule jambe. D'accord? Donc tu vas mettre en garde, comme ça, ouf, tu peux reculer, attention, d'accord? Donc ouf, ouf, on est plus ou moins en train, boum, de chercher son adversaire. D'accord? Donc, pour faire ça, pour être à l'aise sur ce style-là, il faut être capable d'être souple déjà, évidemment, et surtout d'être stable au niveau de la jambe d'appui. D'accord? Donc là, on va faire un petit exercice qui va nous permettre de renforcer la jambe d'appui et de travailler l'équilibre. Donc pour ça, je vais prendre un élastique bleu, que je vais plier en deux. Je vais le donner à mon partenaire, il va le tenir à une main, d'accord? Et on va travailler à cloche-pied. Okay? Donc on va travailler en croisée. Si j'ai le pied gauche au sol, je tiens l'élastique dans la main droite. Même chose pour toi. Ok? Et on va tirer l'élastique. Donc on va être à cloche-pied. Le but du jeu, ça va être, en tirant l'élastique, de déséquilibrer son partenaire. Donc évidemment, pour faire un exemple, je peux tirer tout droit, d'accord? Je peux tirer sur l'intérieur ou tirer vers l'extérieur. Sur ça, on va faire du Tabata. Donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos pendant 4 minutes. Allez, on fait juste le début, juste un exemple. C'est bon, lève ton pied. Allez, on est parti. Je tire, d'accord? Voilà, super, cool. Je vous laisse le faire. On fait bien 20 secondes de travail, 10 secondes de repos et on tient sur 4 minutes en travaillant sur la même jambe d'appui. Après, on fera une autre session en changeant de jambe. Ça marche? Ça marche. Allez, c'est parti les gars. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si jamais tu as des questions sur la préparation physique dans les arts martiaux, n'hésite pas à la laisser en commentaire avec le hashtag FitMartialArt. Maintenant, si tu veux recevoir d'autres exercices pour les arts martiaux, je t'ai préparé une série de vidéos. Pour y avoir accès, il suffit juste de cliquer dans le lien qui est sur la description de la vidéo. Allez, à bientôt!